vous. Et je me suis dit à d'autres jeux aussi, tu vois. Il y a celui-ci, un jeu d'horreur inspiré des graphismes PS1, un jeu où on est en 1975, où on contrôle la lumière, je sais pas quoi. Moi, je dis... Ça, les gars. Mold. Non, vous voulez le truc du caca? Tenez, on fait. Poop killer. Let's go. Allez, VHS vidéo. Poop killer. C'est le jeu qu'on attendait tous. C'est le jeu qu'on attendait depuis des années, des années. Bon, il y a beaucoup de gens quand même pour ce petit jeu quand même. Je trouve c'est beaucoup, hein. Ok, du coup on est vendeur dans une station-service, je crois, non? Ou non, dans un... Comment ça s'appelle? Bah ben, un VHS store, quoi, là où tu prends... Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, on est tout seul, on est au milieu de la forêt apparemment. Je sais pas pourquoi on s'est installé ici. On a une faute, une truc. John, il y a des taches ici. Ok. Trouver, non, prendre le film d'horreur. Shelf, ça veut dire quoi? Sweep, stains from the floor. Ok, bon, on verra ce qu'on va faire. Graffiti. Nettoyer, il faut faire plein de trucs quoi. On va déjà nettoyer les graffitis, j'ai compris la phrase. Nettoyer les graffitis à l'extérieur. Donc on va déjà faire ça. D'accord? Étagère, ah ok. Ah bah on peut pas. Enfin je sais pas. Donc on sort. Là on y a des graffitis dehors du coup. Ah oui, ils sont là, regardez. Ok. Graffiti, les games, Léo Games. Chef, rayon, ok. Chef, ok. Y a quoi? Ah, peut-être on va d'abord... On faut faire tâche par tâche, je crois. Ouais, c'est ça, les gars. Faut faire tâche par tâche. Du coup, il faut trouver l'étagère où il manque des trucs et poser les trucs en plus, quoi. Adulte film. Oh, heureusement que c'est pixelisé, hein, mon Dieu. Attends, c'est quoi le clown? The Clown's Fun? C'est un film d'horreur, ça, non? Ça, c'est quoi? Adulte, aventure, aventure, adulte. Il y avait beaucoup de rayons pour adulte, quand même. J'ai abusé. Action, action, suspense. Put movie? Ah, oh, c'est dans Put Mo Horror. Ouais, c'est horreur ça, ok. Ensuite, on a Power Drill Massacre. On l'a fait en live, non? Ah oh, oui, je crois qu'on l'a fait Power Drill. Mais c'était trop difficile. Ouais, et du coup, on a arrêté. Donc, c'est aussi horreur. Hein. C'est deux jeux de Puppet Combo, ça. C'est marrant. Ensuite. Endless Days, du coup, c'est ce qu'on a sur le jeu qu'on pouvait faire tout à l'heure. Donc, c'est horreur aussi. Si on suit bien le truc. De toute façon, c'est que des jeux d'horreur, du coup. Et True Loop. Peut-être suspense, en vrai. Mais on va mettre en horreur parce que c'est juste horreur. Enfin, c'était écrit sur papier horreur. Donc, horreur, c'est fille. Ça, c'est fille. Sweep stains from the floor. Ok, donc il faut juste nettoyer le sol. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est clean, nettoyer. Bon, je vais y comprendre. Oh, c'est des toilettes ici, mais il n'y a qu'un drap. Il y a un... Ah, c'est ça. Ok. Que de l'horreur. Bah non, on a de l'aventure quand même, en vrai. On a de l'aventure, on a de l'action. Oh, ah, c'est ce sous-sol. Ah, ça pue, ça. Ok. Donc ça, c'est le sous-sol, mais c'est super grand. Mais ils sont très... Ils sont super bien, en vrai. Imaginez avoir un ami qui tient un... Mais c'est son appartement, en fait, en bas. Mais je suis con. C'est juste son appartement. Mais attends, je vois la liste des jeux. Il y a trois jeux Poop Killer dans la collection. Ouais, on a deux. Attends, ah oui, c'est vrai, c'est Poop Killer, ici. Mais j'ai l'impression que c'est un peu sérieux, quand même. Hein. C'est bizarre qu'ils aient appelé ça Poop Killer. C'est quoi, ce truc? Ok. Bon, bah, j'ai rien à faire ici. On va remonter. Au moins, on sait qu'il y a un truc en bas. Ah, c'est des poissons, ça? Ils bougent quand je bouge. C'est marrant. Ah, monsieur, hello, monsieur, good morning! Oh, je parle même pas. Coco.
Franchement, ce gros pervers là. Hello, Mr. Good morning. How are you today? Good night, boy. I want to rent this tape. Ah, il veut rendre. Oh, regardez, il y a mon nom, Lino. C'est trop marrant. Il veut me rendre le truc qu'il avait acheté. Ça fera 3 $, s'il vous plaît. Bien sûr, vous pouvez l'échanger plus tard. Ok, thank you. Goodbye. Big booty. Il a pris quoi? Il a pris un truc d'adulte, je crois. Un film d'adulte. Ouais, c'est trop gênant d'acheter ça. Ouais. Oh. Alors ça, on a fait. Ensuite, il faut faire quoi, les gars? Je comprends pas. Coucou. Bambino. Ah, oh, c'est sa voiture. C'est quoi cette voiture, monsieur, là? Qu'est-ce que c'est que ce carré, là? Un Lego. Elle en fait du bruit. Oh my god. Vous changez ça, monsieur. Au lieu d'acheter des trucs porno, là, économiser pour. Vous achetez une voiture. Espèce de pervers. Ok. Mais sa camionnette, elle fait trop pervers, non? Elle fait pas pervers, sa camionnette? Genre. Attention. Ah oui, c'est bon. Ok, on va laver le sol. Parce que le sol, il est vraiment dégueulasse. Voilà. Voilà. On sait jamais si quelqu'un spawn. Non. Voilà. Ouais, ça fait tueur en série, hein, la camionnette. Hein. En plus, il vient chercher ça. Ok. Bon, après, voilà. Hein. S'il est encore dans les années 50 pour. Au lieu d'aller sur un site, je sais pas. Hein. C'est bon, on a tout fait, les gars. Tout est propre. Ici, les clients vont être contents. Ah, on s'est ouvert, ok. Donc, on a bien nettoyé, ça enferme. Ah! Ok. Oh, il y a un autre client. C'est la police. C'est la police. Coucou, Yannou. La police. Ah non, non. Me dites pas que la police, elle va acheter un. Oh non, la honte. Oh non, s'il vous plaît. Achetez un film d'horreur ou un film d'action, s'il vous plaît, quand même. Parce que c'est trop la honte. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Il manque les escaliers et je sais plus quoi. Il fait quoi là? Mais non, même la police. Mais monsieur. Oh, il est gêné. Il fait semblant d'aller voir les films d'horreur. Regardez. Ah! Il est trop gêné, il fait semblant d'aller voir les films d'horreur. Je vous ai vu, vous étiez arrêté ici. Ici, c'est Adult Movie. Faites pas semblant d'aller voir les films d'action, là. Oh. Ok, bon, on attend. Hop. Après, c'est quoi ici? Through the trash from downstairs. Ok. Bah alors, hein, 20 ans. Voilà, la démarche, elle est nonchalante. Hein. Hello, guys! Un gars. Oh, un film d'horreur! Horror movie! Oh, I like horror movie! This is the best horror movie in the world! Yeah! Ok. I would like to rent. Ah, il voudrait rendre cette. Ah! Oh. Do you like? Vous avez aimé, non? Ok, bon, c'est combien d'euros ça? Bah, je sais pas. Goodbye! Ok. Ah, la vendeuse qui vient te regarder pendant ta sélection! Bah ça sert à rien parce qu'après je le vois quand tu prends quelque chose, tu vois, donc en vrai. Bon, il faut aller. C'est bien écrit. Vider les poubelles en bas, on est d'accord, hein. On va aller vider les poubelles. Attention, on ferme ça parce que comme ça, ils vont pas passer. Après, c'est juste une. Ils font tous un boucan, c'est leur voiture. L'impression que c'est genre. Vous savez quand vous allez voir vos parents et que vous n'habitez pas dans la même ville. Goodbye! Goodbye! See you later! See you later! Alors que le mec il est juste venu prendre un truc porno et partir, je le connais même pas. Je verrai certainement plus, enfin si peut-être, mais juste pour notre film quoi. Ok, il est parti, du coup on peut aller en profiter pour aller en bas et pour prendre ça. Ah, c'est un par un du coup? Oh là là. Ok, la benne on l'avait vue. Hop, l'autre côté ici. Enfin, je crois en vrai, je sais pas. Sous les poubelles. Ouais, c'est là. Ok, une, c'est fait. On referme, on sait jamais. Hein. C'est le protocole, les gars. Ok? Ouais, ils vont passer une bonne soirée, Odd, Napoli. Quoi, c'est louche? Vous pensez, il était louche, le flic? Oui, c'est vrai qu'on doute pas quand c'est un flic, mais bon. Vous pensez? Eh, hey, vous savez qu'il y a une histoire aux États-Unis? Je sais pas si vous avez entendu parler d'un flic qui avait ajouté de la drogue dans les voitures des gens qui contrôlaient. Et les gens ont pris des peines et sont partis en prison à cause de lui alors que c'était du mytho.
Il a été arrêté parce que ça l'a du coup ils ont ils, comment dire ça? Il se doutait de rien et en fait c'est par rapport à sa caméra embarquée, tu sais, parce que tout est filmé quand t'es un flic et on le voit mettre de la drogue dans des voitures quand il contrôle des gens et dans de la drogue dure, hein, parce qu'aux États-Unis même du cannabis tu peux prendre genre 5 ans, ça dépend des États en fait, hein. Et la drogue dure, faut pas en parler, hein. Sans, tu peux prendre du 10 ans, du 15 ans, hein. Et du coup, t'as des femmes de famille, genre des femmes totalement à rendre du travail, elles sont totalement genre sereines pour la société, tu vois. Enfin, je veux dire, elles sont totalement, genre elles sont pas nocives pour la société. Et ben, elles ont pris des peines. Hein. C'est connu comme les gens chez eux qui ont une arme lors de la fouille. Hein. Ouais, par contre là, tu vois bien la vidéo, Caradoc, tu vois, contrairement à t'as des preuves quoi. Mais c'est honteux. Hein. Je sais plus c'était combien de gens, Yumukon? Go photographique. Genre c'était, je crois, une cinquantaine de personnes ou une trentaine de personnes qui ont été inculpées pour consommation de drogue, enfin de possession de drogue, et qui ont fait de la prison. 120! Imaginez les gars, vous vous contrôlez par un flic, vous avez rien à voir, vous avez jamais fumé de rien du tout, vous avez jamais pris de cocaïne. Et là, vous faites arrêter par un mauvais flic, et le mec, vous prenez 10 ans de prison pour rien. Et juste parce que bah, du coup, on va croire les flics, parce que le flic, il va... Les gens, enfin bref. Bon, du coup, il faut faire quoi maintenant? Il faut finir les tâches. Excusez-moi, j'étais trop concentrée. Voilà, c'est séquence où je parle. Graffiti, les gars, faut clean le graffiti. Ok. Du coup, je pense que c'est peut-être en bas. C'est vrai, photographique. Et bah, tu viens en bon moment. Tu sais pourquoi? Ah, j'ai pas fini. Parce que après, on va jouer à un jeu. Poop. Un jeu de caca. Et ça va être. Je les garde pour la fin. Ah, mais non, on joue déjà au jeu de caca. Mais non, c'est jeu de caca, ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas l'impression que c'est jeu... Oh, Isa, quelqu'un de nouveau arrive. On va voir combien de... Les gars, vu sa voiture, moi, je dis qu'il va prendre un thriller. Ah ouais, c'est déjà le jeu de caca. Je pense qu'il va prendre un thriller. Pas encore un film, c'est bon. Hein, faut pas déconner. Hein. On a marre. Hein. Attendez, peut-être qu'il va juste me tuer. Hein. En fait, il va pas prendre de film. Hello, bienvenue, welcome to your VHS. Y a pas la même dégaine que le monsieur qui nous a tués dans le précédent jeu là? Ah non, c'est pas. Mais monsieur, vous avez pété. Mais il vient de péter devant. Mais monsieur, enfin je vais dire, vous auriez pu péter plus tôt, non? C'est vraiment arrêté la péter ici. Hello? Please, I need to... Ah ouais, je comprends. Ok, on va le laisser, les gars. Franchement, on va le laisser prendre les toilettes, oui. Allez-y, allez-y. Go, go, go. Rush. Rush to the bathroom. Ah, je dois vous ouvrir. Attendez, il va faire un truc énorme, non? Non, mais il vient de me péter la tronche, là. Non mais c'est plus chez moi. C'est lui qui tient ça. Moi je suis la cliente. Ah moi je suis plus du tout. T'es bon hein. Oh my god. Guy's to ruin my... Mais c'est pas possible! Non mais c'est pas possible les gars! Venez, je rentre, franchement. Franchement, là, il est en train de défoncer mes shots, je suis désolée, mais là, il est en train de tout défoncer. Hein. Il n'y a pas de clients, c'est jamais, ils vont plus jamais revenir, c'est sûr. Hein. J'ai plus rien à faire dans ma liste. Hein. Oh, les graffitis, j'ai pas fait. Il sort. Vous lavez les mains, non? Ah non. Ah, il y avait déjà un truc pour laver les mains. Goodbye. Thank you, friends. You saved my life. Et t'as ruiné ma vie aussi. Tu as sauvé ma vie. You saved my life. Goodbye. Bon, on va voir les shots, les gars. Oh my god. Ça va être... Oh my god.
suis partie vite de près, les gars. Beaucoup d'âme. Et il va. Il va. Wouah. Non mais. Non mais les gars. Il y a personne qui. Non mais les. What the. Mais 4 caca. Qui fait 4 caca? Mais surtout 4 caca aussi gros. Normalement, quand tu fais caca, tu fais un caca quoi. 4 caca, les gars. Doogie. Comment je fais? Motherfucker. D'accord, bon les gars, je pense que ce qu'on va faire, on va aller prendre des gants ou prendre de l'acide. Je crois qu'il faut prendre de l'acide tout simplement. Il faut juste une bombe nucléaire et faire sauter cet endroit. Il n'y a pas un truc là. Heureusement que. Oh, Dieu merci les gars, on a un autre toilette parce que franchement, ça pourrait être. Ça va, on en a un autre. Celui-ci, on peut l'abandonner quoi. On peut dire ok. C'est moi ou j'ai encore entendu péter en haut? C'est moi, il est revenu. Les gars, j'ai entendu un P là. J'ai pas entendu un P? Il me hante. Non, c'est pas moi. Bon, attendez, les graffitis, il faut faire un truc normalement. Qu'est-ce que je suis censée faire? Mais même les poissons vont. L'odeur, ça va être incroyable. Clean the graffiti. Bah ouais, il faut que je trouve le truc pour clean. Ah, c'est ça. Ok. Ok, ok. Ok, j'ai nettoyé avec juste de l'eau. Hein. C'est parfait. Hein. C'est quoi cette peinture? Peinture à l'eau. Graffiti à l'eau. Bah ouais, là, par contre, il faudra s'occuper des toilettes. Hein. Corpse bomb. Ok, on s'en fout. Par contre, j'espère qu'il va pas revenir. Hein. Je suis désolée, mais moi, j'accepte pas. Il peut aller faire caca dans l'herbe. Hein. Ça va, c'est pareil, de toute façon. Franchement. Coucou Prime! On n'est pas obligé de faire caca dans les toilettes. Ah, il y a encore d'autres graffitis s'il fait ça. Si j'ai encore le seau, je pense que j'en ai encore alors. Je pensais en avoir vu que deux, moi. On a fait... Ils en ont fait d'autres. Ah, là? Ah non, c'est déjà le truc. Ah oui, il y en a que deux. Peut-être que je peux le balancer. Ah non, il y en a un ici. S1 Ace Games. Coucou Dieu, coucou! Mais les gars, vous, si vous avez envie de faire caca, vraiment, sincèrement, vous allez demander... Moi, je préfère faire caca dans la rue. Hein. Dans la rue, dans la forêt. Hein. Vraiment, vraiment. Ah, oh, j'ai cru que c'était un S. Oh my god, mais attendez, mais c'est pas possible. C'est le même, là, non? Non, il va dire s'il va croire que c'est moi, j'ai fait caca. Oh, j'ai pas encore... S'il me demande d'aller faire caca, déjà, on dit non. Et même si... Il est en train de regarder quoi là, monsieur? Ah ok, il fait ça. Et ils font tout. Après, c'est vrai qu'on a mis. C'est intéressant. Vous avez vu ce petit procédé commercial hein, de mettre des films porno dès que tu rentres là. C'est le truc le plus cher aussi. C'est sûr. Bon, il prend un film d'horreur. Par contre, du coup, sur la liste, c'est pas écrit enlever le caca du client atomiseur des toilettes. C'est pas écrit ça, donc je sais pas quoi faire. On va attendre. Hein. Pour l'instant, on va juste servir les clients. Ah, là, c'est quoi les films ici? Attendez. Aventure! Oh, monsieur, vous aimez l'aventure? Incroyable! Il y a Indiana Jones qui vient de sortir, le 16e. Vous avez choisi? Please, I want to rain. Ok, il veut rendre ça. Oh, what a bad smell is... Oh, ça pue du cul, il vient de me dire. Enfin, il dit pas ça pue du cul, il dit juste ça pue, ça sent mauvais ici. Ça fera 5$, monsieur. Ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on essaye de... On change les toilettes. Ok, good night. Ok, Steve. Thank you. Au revoir, goodbye. Thank you, thank you. Ouais, elle a dit ça pue. Ah, on a carrément dit qu'un client a bouché les toilettes en plus, on lui a avoué. Ok. Bon, bah ensuite, faut faire quoi? Parce que ensuite, je vais pas rester avec des caca quand même dans le toilette. À un moment donné, il faut faire un truc, non? Goodbye! Goodbye, thank you, see you later! Goodbye, goodbye! Goodbye! Ici, le gars tue les gens juste à l'odeur. On sait que c'est un tueur en série de caca. Poop Killer! C'est ça le nom du jeu. Non, mais c'est vrai en plus! Poop Killer, vous pensez que c'est un tueur indirect? Il tue indirectement. Tu verras. Ah non, les gars, je crois pire. Je crois que ça, c'est des mutants. C'est caca. Ils vont se transformer. S'ils restent trop longtemps dans un toilette, ils vont se transformer. Là, c'est des... En fait, c'est des œufs.
quand ils vont se réveiller, ils vont nous tuer. Ils vont tous courir après nous, des gros caca mutants. Je pense à autre chose, mais c'est beaucoup plus gore. C'est la police? Non. Quelqu'un a appelé parce que ça pue caca. Ok, on retourne là-bas. Hop. La honte. Oh. Ils vont avoir des jambes? Non, 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 bah non. C'est parce que caca, il colle au sol. Du coup, ils vont marcher, mais tout en collant au sol. Ok. Hello. Bienvenue. Enfin, welcome. 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 C'est trop nul de faire ce travail-là. Enfin, vraiment, celui-ci précisément. C'est-à-dire, il n'y a rien aux alentours. Il y a un client tous les 1 heure. Et en plus, un client qui fait caca, une bombe nucléaire. C'est trop, trop nul. En plus, ils te parlent pas. Encore si tu vois, ce serait des passionnés. Tu parles de plein de choses, des passionnés d'horreur et tout. Tu parles de plein de films. Oh, il a pris. Il est passé vers l'horreur, ensuite il est parti vers l'action, ensuite là, il tourne vers l'aventure. Mais il nous rend toujours des cassettes, ils prennent rien du tout, hein. Hello, ils sont tous musclés ici. My god, quelle est cette odeur? C'est ça, Stench? Je suis désolée, monsieur, mais il y a un client qui a utilisé les toilettes et qui les a bouchées. Soyez prudent. L'odeur, cette odeur attire le tueur du caca? Bah oui, c'est trop bizarre, Dookie. L'odeur attire le tueur des caca. Le tueur des caca? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je l'ai vu dans le journal la nuit dernière. Il cherche des gens qui... C'est quoi? Elle dit quoi, flèche? Quoi? Il regarde, il fait la recherche des gens qui ne font pas caca? Enfin, c'est pas du tout ça, hein, je sais, mais bon. Il y a vraiment un problème mental. Hein. Ça veut dire quoi? Ah, qui ne tire pas la chaise d'eau? Il cherche des gens qui ne tirent pas la chaise d'eau? Mais qui ne tire pas la chaise d'eau? T'as des caca comme ça? Tu vas faire un... Oh, c'est vraiment bizarre. Demain, je demanderai à mon oncle... Ah non! J'ai compris. C'est écrit ongle, hein. C'est un glauque de toilette. Je demanderai à quelqu'un de déverrouiller, déboucher les toilettes. Hein. Prends soin de toi, mon ami, et prends cet argent. Hein. Ok. Donc, il y a vraiment. Donc, c'est un tueur qui est attiré par le caca. Et si je tire pas la chasse d'eau, il va venir. Et ouais, pourquoi on laisse comme ça? Je comprends pas aussi. Nous aussi, on cherche, les amis. Hein. Franchement. Nous aussi, on devrait arrêter à étirer la chasse d'eau et sortir les cacas et les mettre dans la poubelle. On travaille juste à côté. Regardez, il y a même des mouches qui viennent jusqu'ici. Regardez, il y en a une ici. Ils viennent de partout maintenant. Oh, c'est sa voiture, j'ai eu peur. Goodbye, goodbye. Tu veux prendre... Bah non, on prend pas la main. Il y a un seau, les gars. Tu prends le seau. Ou bien tu prends... Je sais pas. Oui, tu prends un seau. Tu fais ça, tu prends... Oh, ouais, non, c'est dégueu. S'il y a pas... En vrai, si on n'a pas de gants, c'est pas la... Bah ouais, sans gants, c'est... Je vais pas fermer. Sans gants, c'est pas la peine, hein. J'avoue, c'est vrai, ça. Comment voulez-vous qu'on fasse? Oh, moi, tire pas la chasse d'eau, comme ça, je peux étaler... Caca, ça. Non, mais tout le monde tire la chasse d'eau, sinon, tous les toilettes de France seraient bouchées. Tous les canalisations de France seraient bouchées. On est... Vous êtes obligés. On faut faire quoi maintenant? Il y a un nouveau qui va arriver. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à là-bas? Non, j'entends du bruit un tout petit peu. Hein. Quand même. Hein. Arrête, vous êtes dégueulasse. Vous êtes encore plus dégueulasse que le jeu. Franchement, vous êtes encore plus dégueulasse que le jeu. Vraiment. Vous êtes dégueulasse. Hein. Finalement, c'est votre... C'est le tueur au caca? C'est ça, il va me lancer des caca? Slow motion. Mais c'est une blague. Mais on dirait du riz marron, enfin du riz noir. Je vais mourir. Je vais pas ouvrir la bouche quand même pas. Je peux mourir. Je vais mourir là? Mm.
Attends, il vient de me balancer une crotte sur la face. Il est parti en pétant. J'ai du caca. Il est parti. Non, ça c'est un client ça. Non mais je vais pas. Ça c'est un client ou c'est lui? Oh j'ai peur. C'est un client. Coucou Youngboy. C'est un jeu du caca. C'est un tueur de caca. Attendez, je peux pas me laver là? Non mais attendez, faut se laver. J'ai du. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Oh, il y a du. Non mais il y a du caca. Non mais les gars, on se tape la honte. Oh, il y a des clients, il y aura plus de clients. Je vous préviens. Il y a un caca juste ici. J'ai du caca sur la tronche. Je vais même pas me laver. Attendez. Désolée mademoiselle, mais à un moment donné, j'ai du caca. Je dois me laver. Je peux pas me laver. Coucou Lamia. C'est bon. Oh, elle aussi, elle regarde des films adulte movie. Vous avez vu comment elle. Elle, c'est encore pire, tu vois. Il y en a qui arrivent directement et regardent adulte movie. Elle, c'est pire. Elle fait semblant. Ok, comédie. Et après, quand je suis plus là, elle va vers le truc qui l'intéresse. Attention, hein, mademoiselle. Il faut être franche. Pas avoir honte. Hein. Allô, Michel, qu'est-ce que vous avez sur votre. Pourquoi elle rigole? Elle est en train d'acheter une cassette à un vendeur qui a du caca sur la tronche. Elle se dit pas, peut-être qu'il y a un problème, il est fou, tu vois. Elle rigole. Ça ferait 5 dollars, s'il vous plaît, madame. Ok, tenez. Thank you very much. Goodbye. Thank you, see you later. Bon, là, en pleine face, ben, il est là en plus. Mais attendez, ça veut dire qu'il va encore revenir alors. Non, parce qu'il y en a déjà là. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Oh, et le jeu, il est. Oh, j'ai envie de vomir. En vrai, là, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Là, franchement, c'est dégueulasse. Hein. J'avoue. Goodbye, goodbye, Michel. Goodbye. Première fois de ma vie, je joue à un jeu de caca. Après, j'ai déjà joué à des jeux bizarres, mais premier caca. Franchement, vrai vrai caca quoi. J'ai dû dire le mot 50 fois en ce stream en l'espace de 45 minutes. J'ai dû dire plus caca que dans toute ma vie. Ok, il a dit quoi? Ça a sonné ou ça fait un bruit bizarre? Il avait dit non? Moi j'ai cru entendre quelqu'un. J'ai cru voir quelqu'un passer par là. Il a dit sound like. Il y a un bruit qui va dans. Ah ouais, il y a un bruit qui vient d'en bas, on est d'accord. J'ai fait tout le tour. On va aller en bas. Non, me dis pas qu'il a été dans. Non, il a pas défoncé mes shots en bas quand même. C'est les seuls en bas, c'est ceux. Les rescapés, quoi. Il est où? Il est où? Je suis en train d'essayer de me repérer avec un son de paix, quoi. Avec un P. Il est où? La musique, elle fait peur alors que c'est littéralement un jeu qui pue du cul, quoi. Non. 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 Non, là, c'est trop. Non, franchement, là, c'est trop. C'est trop, les gars. Il a même fait caca dans le lavabo. Dans le lavabo. Dans le. C'est trop. Il a fait caca partout. Les poissons. Mais non, mais arrêtez. Oh, what the. Il a fait caca par. Ils sont morts, non? Mais comment ils font pour être en vie? Enfin, après, je préfère ça que faire un. Que me lancer un caca dessus. Hein. Non, mais attendez. Bon, là, il a laissé. Mais les gars, le propriétaire, quand il va arriver, il va dire. Le propriétaire, quand. Oh my god. On est viré. Hein. Mais alors là. On est viré, les gars. Je vous le dis. On est viré. Parce que j'ai mal à l'œil, je sais pas pourquoi. Oh là là, enfin ça me pique l'œil. Bon, on est foutu. Mais tiens, il y a personne qui va venir. Hein. Mais il est encore là. Me dis pas qu'il va même faire caca aux alentours. Où est-il? Je l'ai entendu rire. En bas, le temps que je suis montée en haut. Oh, le temps que je suis montée en haut, les gars, il a contaminé en bas. Non. Ah non, ça va. C'est le seul espace vivable ici. On va prendre. Oh, il y a quand même du caca. Il est où? Mais si, j'ai entendu rigoler, moi.
encore en haut. Prochain film pour rester dans la thématique Human Centipede. Non, impossible ça. Bon, attendez, peut-être qu'il faut juste l'appeler. Hein. Go nettoyer. Ah ouais, c'est peut-être possible. Oh, mais c'est impossible de nettoyer. Franchement, c'est impossible de nettoyer. Franchement, c'est impossible, les gars. On a même pas de truc pour nettoyer. Bah ouais. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Téléphone. En bas, ça doit être en bas, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un truc... Faut contacter au moins... Là, un téléphone. Non. Je me dis pas que j'ai envie de faire caca aussi, hein. Ah non. Là non plus. Bah, je sais pas quoi ce que je dois faire, là, franchement. Regarde à la télé tranquillement, alors que tout en haut, c'est une catastrophe. Coucou, Alvgar, coucou. Prendre un film, Barry. Peut-être qu'il faut que je le trouve, non? J'ai entendu rigoler, hein. Non, on va essayer. Et là, y a rien fait ici, non? Ouais, on l'entend encore, hein. Il est où? Mais moi, j'ai pas envie de me confronter à lui. Il va me le jeter un caca. Les gars, il va me jeter une crotte. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça sert à rien de la confrontation avec lui, ça fonctionne pas. Hein. J'ai entendu, là. Non, mais attends, mais il est en haut, non? Il y a un toilette. Attendez, je vais me rapprocher de lui et vous savez quoi? Il va me tuer. Il va me ramener dedans dans son monde, non? N'oublie jamais de tirer la chasse d'eau après avoir fait caca. Le tueur, les tueurs de caca, sera là pour toi, viendra pour toi. Les gars, mais en fait, c'est un truc philosophique. Enfin, je veux dire, il y a un but derrière ce jeu. C'est, vous avez vu, il y a une morale à la fin. N'oubliez jamais qu'il faut tirer la chasse d'eau après avoir fait caca. Sinon, le tueur viendra. Les gars, c'est un jeu parfait si vous avez des enfants. S'ils oublient toujours de tirer la chasse d'eau, bah vous lui dites ça. Vous leur dites ça. Cynthia, Charline, ceux qui ont des enfants, racontez cette histoire du tueur du caca. Comme ça, vos toilettes, ils seront toujours propres. Hein. Bon, du coup, sur 10, vous notez combien le jeu? Franchement, en vrai, c'était trop drôle. C'est drôle, mais je peux pas noter un jeu de caca, franchement. Vraiment. Bonne soirée, Shotaro. Shotaro, il est venu que pour le jeu du caca. Ah, Shotaro, dès que c'était fini, je m'en vais. Poupe, sur 10. Ouais, en vrai, c'est ça, noter ce genre de jeu, c'est impossible. Parce que c'est des trucs drôles, quoi. On peut pas noter sérieusement. Ok, ensuite, il nous reste quoi? Ensuite, il nous reste... Donc, celui-ci, on l'a fait. Oh, on va pas faire Poop Killer 2, les gars, franchement, c'est trop... Non, non, non. Poop Killer 3, non, 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 3... Non, 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 non. The Clown Fan, on fait celui-ci? Un tueur flamboyant. On fait ça? Il y en a pas mal en vrai. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a trop. Night Revenge. Attendez, il y en a beaucoup, hein. Celui-ci, c'est quoi? Joseph travaille en tant que pêcheur. Ouais. Non, 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 c'est ça, on va explorer une île, c'est chiant.